Ce samedi 17 décembre est marqué par l'élection de Miss France 2023. 30 Miss régionales ont été élues et représenteront la France lors de cette soirée placée sous le signe du cinéma et de la beauté. Pour clôturer cette soirée, une nouvelle Miss France sera élue et succédera à Diane Lair. Que gagnera cette reine de beauté élue plus belle femme de France? La grande gagnante, qui représentera les couleurs de la France à travers le monde, sera couverte de cadeaux et touchera un véritable jackpot. Comme les précédentes Miss France, celle qui décrochera le titre tant convoité devrait remporter pas moins de 57 000 euros de cadeaux, montant perçu par Clémence Bottineau pour l'année 2020, et repartira avec une voiture, un scooter, un vélo, des ordinateurs, des bijoux, des robes. Mais ce n'est pas tout. En plus de tous ces privilèges, la Miss France gagnera également un salaire compris en 3 000 et 5 000 euros net mensuels. À l'Express, en 2021, Sylvie Tellier a révélé, on gagne dans l'année l'équivalent d'un salaire de cadre supérieur, soit 50 000 euros en un an. Supérieur à découvrir les 30 Miss régionales en image un salaire de cadre la nouvelle Miss France sera également logée dans l'appartement des Miss, situé près de l'Arc de Triomphe, à Paris, dont le loyer s'élèverait à 1500 euros par mois. Avec ses nombreux avantages, l'heureuse élue pourra mettre de l'argent de côté puisque durant cette année de rêve, elle ne devrait pas dépenser un centime. Qui succédera à Diane Lair? Réponse ce samedi 17 décembre. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Docteur.